Le spécial des temps des fêtes est désormais terminé. Nous sommes revenus au mode quotidien habituel de Clash of Clans, dont je vais bien sûr évidemment enlever tous ces arbres complètement, vu que ce n'est plus le temps des fêtes. Alors que j'ai tourné la vidéo, nous étions encore dans le spécial du temps des fêtes. Il était 11h15 environ, alors que j'ai terminé la vidéo. Il y a eu la mise à jour de Clash of Clans à 11h20, donc environ 5 minutes après la fin de l'enregistrement de la vidéo. Alors je vous ai bon visionnement. Allô tout le monde, voici Champion MMCL, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Clash of Clans. Aujourd'hui, c'est la 49e vidéo sur Clash of Clans. Et toujours avec le spécial des temps des fêtes. C'est pas encore terminé, bon, c'est bien. Parce qu'on a plus d'arbres. Tout simplement. Bon, aujourd'hui, malheureusement, je peux pas faire d'attaque en tant que telle. D'attaque en multijoueur. Parce que j'ai 12 heures. Sachez qu'à un moment donné, j'ai descendu en bas de 1000, de 2600 trophées. J'ai réussi à remonter, mais c'est pas facile d'aller Master 2. C'est vraiment pas facile. C'est comme qu'on peut voir, si vous regardez bien. 2 jours 23, 2 jours 23, 2 jours 7, 2 jours 6. Bon, je suis à peu près de suite. Une 23, une 22, 23, 22, 14, 14. En gros, je fais à peu près deux attaques de suite, un peu approximatif, dont voire de 2 à 4 attaques par jour, minimum. Des fois, j'en fais plus, mais en moyenne, 4. Depuis un certain temps, depuis que ça me tente de m'en aller champion. Bon, c'est sûr, ça fait un petit bout que je parle de devenir champion, d'y aller. Mais j'essaye, là. Puis j'ai une très, très bonne nouvelle. Vous voyez ça, les remparts, ici? Ici, les remparts, là. Je parle pas de qu'est-ce qu'il est, ok? J'ai 235 remparts niveau 8, 14 remparts niveau 9 et un rempart niveau 10. Ce qui veut dire, j'ai terminé avec mes remparts. J'ai plus de remparts de niveau 7, enfin! C'est à peu près temps. Ce qui veut dire que je peux absolument améliorer avec l'élixir. C'est à peu près temps. Maintenant, qu'est-ce que je veux faire? J'ai ça à améliorer, j'ai ça à améliorer. Quoi d'autre? Je pense à peu près... Ah oui, ça aussi. Non, même pas. Même pas. Je pense juste ça, il défense à rien puis tour d'archer. J'avais dit qu'une stratégie qui serait d'améliorer, je dis bien, d'améliorer du plus cher au moins cher et au complet. Je parlais pas bien sûr des remparts parce que c'est pas facile. Je ne parlais pas nécessairement des pièges, ou peut-être, je m'en souviens plus. Je parlais plutôt des défenses. Mais j'ai pris une décision. D'un certain sens, ça me tente, mais ça ne me tente pas d'un autre sens. Ça coûte 5 millions. 5 millions. Avant ça, ça coûtait 4 millions. Ils l'ont augmenté. Ça m'énerve. Ça m'énerve pas mal. Ça me tente de l'augmenter.
Je vais avoir deux tours de l'enfer. Je vais avoir une mine, un extracteur d'élixir, un canon, une tour d'archer, 25 remparts, un arc X, une forêt d'élixir, une tour à bombe et quelques pièges supplémentaires, une bombe géante, une bombe aérienne, une tête chercheuse, un piège squelettique. Ça me tente. Parce que je suis un peu, je vous tenais. Mon nez, quand j'étais à l'hôtel de ville niveau 8, j'ai passé à l'hôtel de ville niveau 9. Pourquoi? Il y a une seule et bonne raison. Parce que j'étais tanné. Encore là, je suis tanné. Je viens au fait que je vais désormais améliorer mon hôtel de ville au niveau 10. Et ouais. C'est confirmé. Peut-être d'ici quelques vidéos, il va être à l'hôtel de ville niveau 10. C'est la décision que j'ai prise. Parce que ça me tente. Bien évidemment, pendant l'amélioration de l'hôtel de ville au niveau 10, je vais pouvoir faire quelques améliorations. Probablement une seule. Probablement. Mais c'est ça. Là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais attaquer. En campagne. Oui, la campagne. Trouvons, oui, un village à étoiles. Oh, il y en a pas mal à voir. Pas mal d'argent à voir. Attaquons. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse d'autre? Et voilà. Non. Il va attaquer comme ça les mortiers, vu que les mortiers c'est les plus dangereux. Directement là. Je vous dirais que ça va être facile. Juste pour le fun. Juste pour tout détruire, tout gaspiller plutôt. Ça, c'est juste le fait de tout gaspiller. C'est juste cette raison-là que 100% j'ai même pas besoin de tout déployer puis j'ai 100%. Tout simplement. Un beau 100%. Oh. Et voilà. Avec un peu d'argent en plus. Oh, que ça fait du bien, ça. Ça fait du bien. Bon, c'est ça. On a fait notre attaque de la journée. Laissez-moi vous dire une nouvelle. Ça, par contre, moins bonne. J'en ai parlé dans ma seconde chaîne, qui est Légendaire MMCL. Pour vous avertir que je vais lâcher la chaîne temporairement et pour un temps indéterminé. Et pour quelle raison que je vais arrêter l'autre chaîne? Tout simplement parce qu'il n'y a pas assez de vues. Au début, je faisais pas mal de vues. Je faisais tourner un peu. La vidéo de présentation, bien évidemment, il y a au-dessus de 100 vues. Bon, ça compte pas vraiment vu que c'est la vidéo de présentation. Ensuite, il y a le spécial Halloween 35. Après ça, il y a le vlog 43. Surprenant quand même. 43, il est même plus haut. C'est la vidéo la plus haute que vidéo de présentation, bien évidemment.
Ensuite, ma vidéo Minecraft, parce que la première vidéo, le vidéo spécial Halloween, c'était ma première vidéo Minecraft de la chaîne et ma première vidéo officielle. La deuxième vidéo, 15 vues. Pokémon, 18 vues, Pokémon Go. La troisième vidéo de Minecraft, 14 vues. Et le deuxième Pokémon, quand j'en ai deux vidéos, 16 vues. Et combien il y a d'abonnés? 23. C'est vraiment pas beaucoup. Je faisais 30, 40 vues les premières vidéos. Tout d'un coup, ça tombe. C'est sûr que j'étais pas très très actif parce que avec les études et tout, j'étais pas très très actif, je l'admets. J'essayais d'avoir un rythme, mais même j'avais de la misère à subvenir pour la chaîne et la seconde chaîne. Il y a peut-être ça qui a affecté un peu le décalage dont entre la deuxième et la troisième vidéo officielle, je dis bien, entre le vlog et Minecraft, il y a eu quand même un délai. Parce que le Minecraft spécial Halloween, bon, c'est il y a 2 mois, vlog il y a 2 mois, puis l'autre c'est il y a 1 mois. 1 mois le Pokémon, le dernier Minecraft, bon, pas le dernier dernier, qui est la vidéo 4, parce que, pourquoi là en ce moment je dis ça, je n'ai, là à l'heure que je tourne, il n'est pas encore publié. Juste pour vous dire. On est la veille de cette publication. Dont le 19 janvier. Pour être plus précis. 2 semaines et l'autre 1 semaine. On dirait j'en fais 2 par mois. C'est un rythme de 2 par mois, on dirait. Bon, c'est pas super quand même. Ouais, c'est comme si c'est une vidéo 2 semaines. Au moins. Malgré que j'avais prévu pour une vidéo par semaine au début. Mais, comme je vous le dis, je veux voir aussi en temps et lieu. J'arrête la chaîne, mais je vais attendre un certain nombre de vues pour les vidéos. En même temps, j'ai pas de vidéo. En même temps, j'ai pas assez de vues. Je veux vraiment aller au nombre de vues. Si j'ai comme là 6 vues, je n'entends pas vraiment de faire d'autres vidéos sur Pokémon Go, sur cette chaîne. Minecraft, 14 vues. J'aimerais au moins avoir un 20 vues au moins. Que ça vaut pas très très la peine. Honnêtement. Au moins 20 vues pour reprendre. Une nouvelle vidéo. En même temps, je vais vivre plus. Je vais refaire une nouvelle vidéo. Ça va dépendre de vous. Ah oui, juste pour vous dire, le roi des barbares est au niveau 16, hein. Je sais pas si vous voulez déjà dit pour la reine, mais le roi est au niveau 16. Enfin. Là, qu'est-ce que je vais faire? Le prochain, ça va être... Oh, le golem il est rendu 80. Ouh, ça coûte cher. J'avais amélioré le. Ah oui, j'ai amélioré le golem. Oui, c'est vrai. 70 000 élixirs noirs. J'ai-tu amélioré pour vrai? Je pense que oui. Ouais, je pense que j'ai amélioré. Il était au niveau 2. Puis j'ai amélioré au niveau 3. Ouais, j'ai fait ça. Là, je vais améliorer encore le golem vu qu'il est plus cher. Après ça, je vais améliorer le molosse de lave sûrement encore 2 fois. Tout dépendant combien. Si ça m'augmente encore. Je vais améliorer la Valkyrie. Je vais améliorer le sort sismique. Et du fait, améliorer mes défenses. Là, vous dites sûrement...
Je viens de dire que je vais améliorer mon total de level, puis là je vais améliorer mes défenses. Ça ne tente pas vraiment de monter au total de level niveau 10. Je suis pas prêt. Stratégiquement, je suis pas prêt. Je sais. J'ai de la misère à bien attaquer, avoir des 2 étoiles. J'ai de la misère à même attaquer sur mon propre village. J'oserais même pas attaquer mon propre village. De cette forme-là, j'attaque des hôtels de niveau 10, un peu, mais je fais pas vraiment 50%. Hôtels de vie niveau 9, ça dépend. Des fois, je fais du 50 si je suis chanceux. Sinon, à un moment donné, ah oui, une raison pourquoi j'ai baissé à un moment donné en bas de 2700, vous allez trouver ça un peu ridicule. Un peu pas mal, ridicule. J'attaque, tout va bien. J'attaque l'hôtel de ville. Pour ça, je me dis, oh, je vais attaquer autour pour essayer d'avoir 50%. Hein? J'ai oublié l'hôtel de ville. En gros, j'attaque tout. J'avais prévu j'aurais eu au moins 1 étoile, mais là, j'ai oublié l'hôtel de ville, alors j'ai perdu des trophées comme ça. Ou encore, ça c'est très fréquent. Regarde trop. 34 trophées. Vous voyez ça? Si je fais une attaque, j'en perds quasiment autant. Ouais. C'est dur de monter. On monte. On descend plus vite qu'on monte. C'est tellement dur. Par exemple, on fait 5, 10 trophées. On va dire en une attaque. Si t'en fais 20, on va dire. On va prendre le saut. L'exemple de ça. Ici, 17 trophées. Combien tu peux. Ah. Ok, ici 13. 13 trophées. Que j'ai augmenté. J'en perds 26. Ah. 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18 trophées, j'en perds 26. Ici, 8. 17 trophées. J'en perds. Bon, ça peut être pire. Si pire, j'en perds 8. Mais des affaires, des fois, je fais des trophées. Ou j'attaque juste une fois, j'en perds plus que ce que j'en ai gagné. Parce que ça. J'en ramasse 10, j'en perds 20, même des fois 30. Ah oui, ce qui est drôle aussi avec cette attaque-là, dommage qu'on peut pas le visionner. Ça ne vaut pas la peine. Juste été chercher quelques ressources, pis c'est tout. Ok, probablement y attaquer là, ici. Je me disais que c'est... Bon... On va dire une trente... Je pense à une vingtaine, trentaine de trophées. Quelque chose de même. Peut-être dans le moins. Je me disais ça c'est drôle que j'aurais... plus de trophées. Je pensais à ça, comme ça. Deux pensées différentes. Une vraie pensée. Puis je me disais ça en même temps. Tu un coup. Et voilà. 30 trophées. J'étais pas un peu content. Ça, c'est le fun. Ça, c'est le fun quand j'ai des trophées. Que c'est déjà terminé. Parce qu'il nous reste 11 minutes avant d'attaquer. Ah oui, les bébés dragons, ce que je vois ça en ce moment, les bébés dragons sont fatigués. Surtout quand ils sont seuls. Dans un château clan. Sont plus ça. J'ai eu de l'aime ça au point d'une étoile.
Avec ce pépé très con. Ah, j'ai pogné justement une caisse puis j'ai de la misère à l'avoir cette étoile-là. Alors, ça va être tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez bien aimé cette vidéo. Cette 49e vidéo de Clash of Clans. Et cela depuis le début. C'est ça que vous pourriez vous dire. Oui, genre, y en a plus de vidéos que je dis. Vu quand que j'ai fait ces vidéos, puis j'avais un Kodak. Alors, ça fumait des fois à moitié. C'était la même vidéo. Mais vu que ça fumait à moitié, et j'avais pas le choix de le mettre en deux parties. C'est comme ça serait deux parties. La même vidéo en deux parties. Tout simplement. Oui, c'est sûr, j'en ai fait un peu plus, mais c'est la même vidéo. Il y en a que c'est la même vidéo. C'est même marqué suite sur les vidéos. Alors, pour ça, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez toujours me suivre sur Facebook, Google+, Twitter, car tout le monde est le bienvenu. Alors, je vous dis bonne journée, bonne soirée. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Clash of Clans. Alors, je vous dis merci à tous.